Coucou les filles, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, on se retrouve pour une petite vidéo Diamond Painting où on va démarrer ensemble le hibou. Voilà, on va démarrer ensemble celui-là. Ça avait été votre deuxième choix quand je vous avais demandé l'autre jour de choisir. Donc, du coup, on va le démarrer ensemble. Mais avant, je voulais vous montrer le dernier que j'avais fait, donc l'africaine, qui est terminé et encadré. Donc je voulais vous le montrer. Donc voilà ce qui rend. Je vais essayer de pas vous éblouir. Donc voilà, vous voyez, j'y ai mis un cadre noir tout autour. J'ai été obligée de rajouter aussi du papier noir autour. Donc voilà ce qui donne. Je ne sais pas comment vous le montrer parce qu'il y a le reflet de la caméra. Donc j'espère que vous le voyez bien. Voilà, le voilà terminé. Donc je le trouve super joli. Vous voyez? Les couleurs rendent bien. Il y a le reflet de la baie vitrée. Je suis désolée. Je ne peux pas faire autrement. Si je vous le montre comme ça, peut-être. Non, c'est encore pire. Voilà. Vous voyez? Donc voilà, je voulais vous le montrer encadré puisque celui-là, de toute manière, ne restera pas chez moi. Il va pour ma maman. Je lui donnerai pour la fête des mères. Donc voilà. Donc là, on va démarrer ensemble le hibou. Donc je vais vous basculer donc sur la table. J'espère que vous allez bien voir. On va démarrer ici. On va démarrer par celui-là. Alors celui-là, comme je vous avais dit, il est. Alors je vais faire un petit peu de bruit. Hop, je vais mettre ma petite musique. Du coup, celui-là, comme je vous avais expliqué, il est. Les symboles sont très très mal. Attends, je vais essayer de vous montrer comme ça. Les symboles sont très très mal faits. Je ne sais pas si vous voyez mieux, vous à la caméra, mais ils sont très mal faits. Alors là, je suppose que c'est le M. Je vois très très mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre quand même mes lunettes. D'habitude, je n'ai pas besoin de mes lunettes, mais là, franchement, ouais, c'est du M. Donc, du coup, je vais prendre. Donc, j'ai déjà classé toutes mes couleurs. Hein, vous voyez, j'ai déjà tout classé. Pour ne pas perdre de temps. Et le M, c'est le 18. Alors, je prends mes petits instruments. Je prends de la colle. Donc c'est le 18. Alors le 18, c'est quoi comme couleur? C'est un noir, je suppose. Donc je vais en faire un petit peu avec vous avant d'aller au travail. Parce qu'aujourd'hui, il faut que je parte plus tôt puisque je ne suis pas au magasin habituel. Là, je vais sur un autre magasin. Donc du coup, je ne vais pas rentrer ce midi. Ah ouais, les cases sont vraiment mal définies. Il n'est pas tip top, hein, franchement. Alors, j'espère que vous allez bien voir. Heureusement qu'il y a la lampe en dessous parce que franchement. Alors je ne sais pas si tout l'ouvrage va être comme ça. Là, ça a l'air d'être un peu mieux. Mais je vois là, il y a du bleu. Je ne distingue pas. Je ne sais pas ce que c'est. Les symboles, je ne vois pas. Là, j'ai toute une partie. Là, je ne sais pas ce que c'est. Ici, je mets sur du noir. Ouais, c'est un peu mieux sur du noir. C'est pas tip top. Hein. Quand faut deviner, moi, j'aime pas. Hein. Alors, dites-moi si vous, en commentaire, si vous, vous l'avez déjà fait celui-là. Si vous avez rencontré le même problème.
Donc là, j'ai quasiment fini la première chinoise que j'avais démarrée. Il me reste vraiment très 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 peu à faire. Donc pareil, je vais l'encadrer. Et puis je vous la montrerai dans une prochaine vidéo. Celle-ci sera pour moi par contre. Donc, alors là, ce que je vais faire, je vais essayer de descendre comme ça, vous voyez. Alors, ça a l'air d'être beaucoup du noir. Parce que de toute manière, j'ai pas d'autres dessins, j'ai que celui-là. Celui-là était mal fait comme ouvrage, parce que vous voyez, il est mal découpé. Enfin, je pense qu'ils sont découpés usine, mais là, il est vraiment tout de travers et tout. Alors, celui-là, je l'avais commandé sur quel site? Je sais plus si c'est Wish ou New Frog. Je me rappelle plus. Je crois que c'est New Frog. Alors, certes, les... Oui, c'est New Frog. Certes, les frais de port sont gratuits, mais enfin, bon... Je préfère payer un ou deux frais de port que... Puis avoir quand même des ouvrages qui sont corrects. Alors, j'espère que vous y voyez, les filles. Je me rends pas compte dans le retour caméra. Alors, je pense qu'il va quand même aller assez vite à faire parce qu'il y a des très grandes parties de même couleur. Donc ça va assez vite à faire. Parce que la chinoise, et à la fin, là, c'est toute une multitude de couleurs qu'il faut changer. Il y en a une couleur par-ci, une couleur par-là. Il faut changer souvent de couleur. Donc moi, j'aime bien faire des grandes parties aussi. Ça ne me dérange pas. Vous voyez, là, j'ai du bleu après, là. Là, je vois pas ce que c'est. Et si j'éteins... Ouais, c'est du 7. En fait, j'arrive mieux à voir quand c'est éteint. Je vais descendre jusqu'en bas du rond là, et puis après on changera de couleur. Donc là, je vais en démarrer un nouveau aussi. Ça va être le Mickey et la Minnie. Puisqu'il faut que je le finisse pour. Bon, je l'aurai fini, je pense, mais pour le mois d'août. Il faut qu'il soit fini pour le 17 août, donc comme je vais avoir fini la chinoise, là, je vais pouvoir démarrer. Comme ça, je tourne toujours avec trois ouvrages. Comme ça, il y aura la Kokeshi violette, pour celles qui me suivent, vous savez. Il y aura le hibou et il y aura le Mickey. Comme ça, après... vous regardez celui qui vous intéresse. Une fois qu'il y en aura un terminé, je ferai, je pense, la girafe.
Et ensuite, je crois que j'en recommanderai deux. Ce que je vous ai montré l'autre jour. C'est-à-dire le dragon. J'ai une gorgeous aussi qu'il faut que je commande sur le site d'AliExpress. J'ai vu qu'ils avaient plein de gorgeous. C'est une petite abonnée qui m'a donné le... D'ailleurs, maintenant, je sais mettre les liens. Donc, n'hésitez pas à me demander si je trouve les liens des choses dont je parle. Je vous mettrai les liens en barre d'information. Donc ensuite, il y a le L. Donc le L, c'est 17. Alors là, ce sont des drills ronds. Je vous... Vous avez dû vous en apercevoir. Je préfère travailler les carrés, mais enfin bon. Il y a beaucoup plus d'ouvrages avec les drills ronds que les drills carrés. Je ne sais pas pourquoi. Donc quand vous recevez vos ouvrages, bah c'est un petit peu la surprise, quoi. Donc là, ben, on est en train de faire la lune. Donc ensuite, là c'est du 2. De toute façon, il y a juste à suivre, le 2 égale le 2. Là, je vais essayer de prendre directement dans le... Voilà. Il m'en faut que 2, donc... Quand c'est comme ça, des fois, quand il m'en faut que 1 ou 2, je pioche... Ça veut bien venir. Non, c'est pas grave, je vais mettre là. Ensuite, on a... Alors, on a du bleu, là. Comme j'y vois rien, je vais éteindre. C'est du numéro 7. C'est un espèce de turquoise. Ce papier, c'est...
Là, après, j'ai une couleur, je sais pas ce que c'est. Je vois pas du tout les lettres. En fait, ça a été mal imprimé. On a l'impression que c'est... Ça a été vraiment mal imprimé. Alors, je rééteins parce que je ne vois pas. Alors là, j'ai un J. C'est 15. Comme il est tout seul, je le prends tout seul. Et autrement, c'est du F. C'est du 13. Alors, c'est un marron très foncé. Et donc après, c'est du K. Alors K, c'est du 16. Ça doit être un espèce de blanc. C'est un gris. Alors, je vais essayer d'en prendre par plusieurs. Je vais refaire la tentative. Donc, je réessaye. J'ai beaucoup de mal à en prendre par trois, comme ça. Vous voyez, je suis pas sûre que ça aille plus vite. Non, vous voyez, moi j'aime. Je trouve que ça va aussi vite de les prendre un par un. Pourtant, j'y arrivais bien avec l'autre. Alors peut-être que je vais changer de... Avec celui-là, j'y arrivais. Alors je vais réessayer avec celui-là pour voir. Parce que j'ai l'impression que l'embout, vous voyez, de celui-ci est trop gros, en fait. Ouais, avec celui-ci, j'y arrive mieux. Vous voyez? Ouais, faut le dire vite.
Chaque fois, il y en a un qui reste sur le truc. J'y arrive quand même mieux avec le petit. C'est ou mon ouvrage qui colle mal, ou c'est le crayon qui... Je sais pas. Bon, je vais continuer avec celui-là. J'espère que vous y voyez bien. On va finir cette partie-là ensemble et puis après, il faut que j'aille travailler. Et oui. D'habitude, j'en fais un petit peu le midi quand j'ai le temps. Vu que j'ai 1h30 pour manger. Quand j'ai qu'une heure, j'ai pas le temps. Quand j'ai 1h30, j'arrive à en faire une petite demi-heure. Si j'en prends trop d'un coup. Alors, je voulais vous dire aussi que j'ai un nouveau mondial relais qui est au magasin où je travaille en fait. Donc, pour toutes les personnes qui avaient l'habitude de m'envoyer un mondial relais, je pense par exemple à Béa.
Alors Béa, je ne sais pas si tu as regardé cette vidéo, hein, mais le point relais que j'avais habituellement, le Cap Vital Santé, a arrêté Mondial Relais. Donc c'est nous qui avons pris le relais, si on peut dire. Hein. Donc c'est bien pratique parce qu'en fait c'est au magasin où je travaille. Donc moi j'ai juste à déposer mes colis au magasin, à les recevoir au magasin. Donc ça c'est pratique. Après vous n'êtes pas très nombreuses à envoyer en Mondial Relais. Vous êtes qu'une petite minorité. Mais bon, au cas où, vous saurez, hein, vous m'envoyez un mail et puis je vous donnerai l'adresse. Comme ça, c'est vrai que les frais de port sont beaucoup moins chers, les filles. Hein. Si vous pouvez faire comme ça, faites comme ça, puisque c'est d'une simplicité. Vous allez sur Internet, vous tapez Mondial Relais, vous créez votre compte. Et vous vous laissez guider après, c'est vraiment... moi j'y suis arrivée, pourtant je suis une quiche en informatique. J'y suis arrivée et j'ai envoyé le colis de Marina comme ça. Et franchement, je suis super contente parce que du coup, ça revient moitié moins cher. Quoi. Quasiment la moitié moins cher. Donc si vous pouvez, les filles, économiser, faites par Mondial Relais. N'hésitez pas à me demander l'adresse. Donc voilà. Voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, les filles. Pour le hibou. Je vais baisser un petit peu ma musique. Donc voilà. Donc je vous montre ce que l'on a fait aujourd'hui. Vous allez peut-être mieux y voir là. Je vais vous remettre comme ça. Donc voilà, vous voyez ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc sur le hibo, voilà, on a fait cette petite partie là ensemble. Donc moi je vais l'avancer de mon côté et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo pour la suite de ce petit joli hibou. Voilà les filles, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous.